comme à Namur. On est justement à l'université, je sais pas si vous avez l'université de Namur. Et on va y aller au festival des films. On va aller rencontrer des gens et peut-être des artistes. Venez, on va aller découvrir ensemble. Je jouais le rôle principal du film de Ilia Jacob et Marie McCourt. Je jouais le rôle de Romy, qui est l'histoire d'une fille qui est un peu perdue au niveau de sa sexualité et de son rapport à ses amis. Et voilà, c'était une super expérience. Et ça fait quoi pour toi d'être ici au Festival de Namur? C'est très agréable. Puis je vois plein de gens que j'ai vus dans plusieurs autres tournages, donc c'est toujours bien de revoir des têtes. Et c'est que du bonheur. Et de bonheur. C'est un peu stressant des fois, mais c'est que du bonheur. Tu as eu la chance de rencontrer des grands artistes ou des artistes J'ai joué dans la série Ami Public, dans une série qui s'appelle Profilage sur TF1. Je fais le prochain film de Toledano et Nakache qui ont fait Intouchable. J'ai fait plein d'autres courts-métrages et il y a plein d'autres projets qui arrivent. Ok, tu auras encore des collègues qui ont travaillé avec toi dans les films d'avant, comme Marie par exemple. Oui, en fait, surtout dans les techniciens, on se retrouve toujours. Et puis j'espère que Marie un jour m'écrira un film juste pour moi et on va continuer avec les collaborations ensemble. T'es hors compétition, hors norme, film de clôture avec deux réalisateurs, hors norme en tout cas, par le succès qu'ils ont connu en salle. Notamment avec Intouchable. On se souvient d'Omar Sy et de François Cluzet dans ce film qui a fait plus de 19 millions d'entrées. Et les voilà donc entourés de leur casting. Casting qui va monter les marches, dernière montée des marches ce soir à 17h50 sur l'antenne de TV Festival en direct. Et donc sur ces images, vous reconnaissez notamment Alban Ivanov et Hélène Vincent. Et puis de jeunes comédiens pour ce film donc qui raconte l'histoire particulière de deux éducateurs qui vivent dans le monde des enfants et des adolescents autistes et dont les associations qu'ils dirigent eh bien, forment des jeunes des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés d'hyper complexes. Et donc une association hors norme. Et donc Eric Toledano, Olivier Nakache, aux côtés de Reda Kateb, que vous avez vu sur ces images, qui ont fait également participer à leur film des jeunes autistes, également des encadrants qui ont l'habitude de travailler au quotidien avec eux. Vous avez pu voir également sur ces images les jeunes comédiennes Aloïs Sauvage, Lina Coudry également. Voilà Lina Coudry là, entre ces deux réalisateurs, Olivier Nakache, Eric Toledano, pour la première fois à Cannes pour ce film de clôture présenté hors compétition, je vous le rappelle. Et donc autour d'eux, il y a Brian Mialoun Dama, je vous ai parlé d'Alban Ivanov également. Également sur ces images, vous avez vu Benjamin Le Sieur, Marat Akin, Ahmed Abdel Laoui, Djibril Yoni, Darren Muselet également. Et là donc Hélène Vincent.